Éternel des armées, mon âme te bénit ce matin, Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui y trouve. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu vivant ce matin, je te bénis de nous avoir tous réveillés sains et saufs. À toi la gloire, à toi la victoire. Je suis là, Seigneur, pour donner le reste des messages que tu m'as donné parce que je t'avais promis de donner tout ce que tu me montres, ô Dieu. C'est pourquoi je prie, afin que moi je sois effacé complètement, Seigneur, et que toi, tu règnes. Que ce soit toi qui donnes les messages de tes enfants, Seigneur, afin que nous soyons tous sauvés comme tu le veux. À toi la gloire, l'honneur, à toi la victoire, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth que j'ai prié. Amen, amen, amen. Mes frères et sœurs, je suis là ce matin pour vous donner le reste des messages que Dieu m'a donné sur les hommes de Dieu. Je suis là parce qu'il est écrit dans la parole de l'Éternel que car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la parole, de la bonne nouvelle, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Marc chapitre 8, verset 35 jusqu'à 38. Frères et sœurs, ces révélations que je vous donne et je continuerai de vous donner. J'ai prié, j'ai demandé à l'Éternel, comme il a dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 1, d'éprouver les esprits. Le Seigneur m'a donné, mes frères et sœurs, 1 Jean chapitre 4, verset 9, qui nous parle de son amour, qu'il a manifesté envers nous. Vous pouvez lire, s'il vous plaît. Il m'a donné Actes chapitre 2, verset 17, son Saint-Esprit, qu'il a déversé sur nous tous dans ces derniers temps. Il m'a donné Matthieu chapitre 25, frères et sœurs. Et il a certifié que c'est lui, il a signé sa signature. Il a dit, c'est une adoration qu'il m'a donnée dans la dernière réponse. Il dit, ce qui vient de Dieu est la vérité, rien que la vérité. Jésus est Dieu pour ceux qui le croient pour l'éternité. Frères et sœurs, Dieu m'a montré l'enlèvement. Mes frères et sœurs. Et quand j'ai vu l'enlèvement, le ciel est ouvert. J'ai vu le Seigneur, le roi des rois, Dieu vivant, l'unique Dieu. Or qu'il n'y a point de Dieu. Le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth, que le monde entier renie, que le monde entier rejette, que le monde entier dit qu'il n'est pas Dieu, mais qu'ils ont un autre Dieu, quelque part d'autre. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le Dieu. Dieu le Père, c'est lui. Dieu le Fils, c'est lui. Dieu le Saint-Esprit, c'est lui. L'unique Dieu, or qu'il n'y a point de Dieu, qui m'a visité, qui m'a dit, il est Dieu. Je suis témoin oculaire, frères et sœurs. Le Seigneur Jésus-Christ Nazareth, je l'ai vu descendre avec ses anges. Et il y a eu l'enlèvement. Dieu nous a tous enlevés. Et quand il nous a enlevés, frères et sœurs, j'ai regardé en arrière. Il y avait une multitude des pasteurs
et leurs églises, leurs fidèles, restaient. J'ai dit, oh Seigneur, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Le Seigneur dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Galates chapitre 6, verset 7. Frères et sœurs. Et parmi ces gens-là, il y avait beaucoup, hein? Mais je ne peux pas tout citer. Mais il y avait le pasteur Alf Louko. Il était là avec toutes ses églises, ses fidèles restés. Je dis, oh Seigneur, le Seigneur dit, Alf Louko, l'esprit qu'il utilise s'appelle Elisabeth. C'est pas cet esprit-là qui prophétise, qui fait des miracles. Alf Louko, ça fait 3 ans de cela. Je ne cesse de t'interpeller. Mon fils, mais tu ne m'écoutes point. Alléluia! Tu fais à ta tête. Tu me renies. Sans le savoir. Ou du moins, par ton orgueil. Il est temps que tu te repentes. Alf Louko. Doleski. Jaurès. Yoro. Alléluia. Il est temps que tu te repentes. C'est un gros serpent qui te donne les prophéties. Mohamed Sanogo. Il est temps que tu te repentes et que tu reviennes à l'Éternel. Marcelo Tunassi, il est temps que tu te repentes et que tu reviennes à l'Éternel. Ton Dieu. Gédéon, il est temps que tu te repentes et que tu fasses dos à cet esprit de perdition qui t'anime. Tu ne prêches pas la parole de Dieu. Tu as le zèle de l'évangile, mais ce n'est pas l'évangile que tu prêches. Joël Tatou, il est temps que tu te repentes. Mon fils. Plein d'hommes de Dieu qui disent Seigneur, Seigneur, qui resteront le dernier jour. Repentez-vous tous. Repentez-vous tous. Repentez-vous tous. Et vivez la vie de la sainteté, du pardon, de l'amour, de la sanctification, la vérité, car je suis la vérité. Et or, moi, personne n'aura la vie éternelle. Shalom. Shalom.